Donc je vais commencer. Alors j'en suis peut-être mon chapitre 4, ma section 4. Et on va essayer de donner le principe de la preuve d'André Hort pour AG. Alors, j'ai presque tous les éléments mis en place. Il en manque un qui est central et crucial, qui fera l'objet du dernier cours, qui est les bornes inférieures pour la taille des orbites sous Galois des points CM. Donc, je lui donne un nom. Donc, vous avez quel résultat sur le protéine minimal que vous avez? Donc, vous admettez que le théorème sur... So you said last time that that there is no minimal structure having an analytic function expression. So you admit all of this? Pour le moment, oui. Oui. Donc, il y aura le théorème d'Axe-Hindemann que j'essaierai de prouver après. Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, j'utilise ce que j'ai mis en place pour l'instant pour vous expliquer comment on fait la preuve. Et après, je passerai essentiellement à la preuve d'Axe-Hindemann et des indications sur cet énoncé. Bon, donc, voilà le résultat. Donc, il existe... deux constantes positives bêta et C telles que pour tout point spécial X de AG, le corps de définition du point, bon, qui est la même chose, si vous voulez, que le cardinal de l'orbite de ce point, est au moins C dx puissance bêta, où dx, c'est ce que j'ai appelé le paramètre fondamental pour ma discussion. Donc, je rappelle, dx, c'est la valeur absolue du discriminant du centre des endomorphismes de la variété abélienne à x paramétré par x. Donc, ça fera l'objet du dernier cours. Enfin, je donnerai des indications. Peut-être je dis que il y a un argument important de Zimmermann qui utilise le théorème de Masser-Wüstholz et qui est un argument qui implique la conjecture de Colmez en moyenne qui est démontrée par deux groupes, Jian Zhang d'un côté et André Atta Goren, Howard et Madapuzzi Perra. Donc, qui obtiennent des résultats sur la conjecture de Colmez en moyenne, que j'essaierai d'expliquer. Et Zimmermann explique comment ces résultats entraînent cet énoncé. Voilà. Donc, alors voilà. Donc maintenant j'essaie de voir comment on démontre le André Hort pour AG. Et l'étape 1,
Donc je vais appeler ça théorème 4.2. J'ai déjà mentionné durant l'introduction. Donc voilà l'énoncé. Donc soit V inclut dans AG une sous-variété algébrique. Donc je dis que il existe une constante, disons grand C, qui dépend de V, telle que quel que soit X, point spécial de V, pardon, avec un discriminant assez grand, eh bien, il existe une sous-variété spéciale ZX de dimension positive. Disons tel que X est dans ZX et ZX est dans V. Donc, si je vous rappelle le dessin qu'on a en tête, on a une variété de Shimura. À l'intérieur, on a une sous-variété et finalement, on essaie de démontrer que il n'y a qu'un nombre fini de sous-variétés spéciales maximales parmi les sous-variétés spéciales à l'intérieur de V. Et là, on est en train de dire ça pour les variétés spéciales de dimension 0. Donc, il n'y a finalement qu'un nombre fini de points qui arrivent comme ça et qui ne sont pas dans une variété plus grosse. D'accord ? Donc c'est une étape cruciale, hein, bien sûr. Donc voilà. Et il est clair que si on donne de X, il n'y a qu'un nombre fini de points. Rien n'est clair, mais c'est vrai. Non, non, oui, c'est vrai, bien sûr. Parce que borner les discriminants, ça borne d'abord les corps, et ensuite les ordres à l'intérieur des corps. Et, ça suffit. Il y a un peu de travail, mais c'est de la théorie des nombres de base que quand on borne le discriminant, on borne l'ordre. Bon, donc il y a un petit peu. Si on veut tout écrire, il faut réfléchir un peu, mais ça borne le nombre. Et ça aussi, vous prenez la possibilité pour une polarisation principale. Oui, oui, mais c'est quelque chose en plus, ça, c'est pas quelque chose en moins. Oui. Bon, OK. C'est discriminant d'un ordre. Oui, oui. Là. OK. C'est sur Q-bar, oui. Ah oui, c'est les endomorphismes géométriques. En fait, oui, bon. OK. Donc, alors, je vais donner la preuve du théorème 4.2 qui va utiliser essentiellement ce que j'ai fait avant. Alors, je vous rappelle un peu. J'avais une application qui uniformise ma variété de Shimura par un certain X+, qui se réalise à l'intérieur d'un espace vectoriel. Bon, c'est pas terrible, mais et j'ai choisi, si vous voulez, un domaine fondamental, F, qui a des bonnes propriétés, qui sont que la restriction de pi à ce domaine fondamental est définissable dans R annexe. Donc je reviens là-dessus. Je vais revenir sur ce dessin après. Donc
Je vais faire quelques réductions d'abord. Bon, on peut supposer que V est défini sur Q bar. Alors en fait, on fait ça, si vous voulez, on prend l'ensemble des points spéciaux qui sont à l'intérieur de V, on prend la clôture de Zariski, ça c'est défini sur Q bar, et on travaille avec ça. Et une fois qu'on en est là, si on accepte de perdre de l'irréductibilité géométrique, bon, c'est pas un point essentiel, on suppose même, on peut même supposer que V est défini sur Q. Donc, en fait, je remplace V par une union finie de translatés par Galois de V. Et j'ai ça. Alors, maintenant, je... Non, mais, ça, mais si vous démontrez le théorème pour les autres, pour les rivonions de... Oui. Ah, il faut travailler encore pour voir que l'énoncé sur les rivonions de translatés appelés. Bah, c'est un énoncé de finitude. Donc, si... Okay. You have to use the induction on the intersection. Okay. On bon. Intersections. Donc, soit X... alors, soit F... un ensemble fondamental donc semi-algébrique tel que la restriction de pi à f est définissable dans une certaine structure au minimal, R annexe. Donc ça, ça existe par le théorème 3.7. Et je vais m'intéresser à l'ensemble donc V tilde F, qui est l'image inverse de V intersectée avec F. Donc en fait, je prends ce V, je le remonte, c'est un truc un peu compliqué, puis je prends l'intersection avec F, et ça c'est simplement pi restreint à F moins 1 de V, et comme pi restreint à F est définissable dans R annexe, V c'est algébrique, donc ça c'est définissable. Dans R annexe. Voilà. Alors maintenant, je prends un point spécial de V. Alors, qu'est-ce que je... Bon, vu mon hypothèse, je sais que quel que soit sigma... dans Galois de Q bar sur Q, ben, X sigma, c'est aussi un point spécial dans V. Et bon, juste pour pas dire de choses trop fausses, si j'appelle E la clôture galoisienne disons de Z en AX. La théorie de la multiplication complexe va vous dire que quel que soit sigma
dans Galois de Q bar sur E, X sigma et X auront même discriminant. Bon, c'est peut-être même vrai plus largement que ça, mais ici je ne perds quasiment rien parce que j'ai une extension de degré uniformément bornée qui ne va pas compter dans les estimations. Bien. Maintenant, donc ce que je vais prendre, c'est je vais m'intéresser à l'ensemble des Y qui sont dans pi moins 1 de cette orbite sous Galois. Et je me restreins à F. Et donc ça, c'est quelque chose qui est finalement à l'intérieur de cet ensemble définissable, V-t-il F. Alors, je sais pas mal de choses là-dessus. Donc, mon but est d'appliquer le théorème de Pillay-Wilkie. Donc, qu'est-ce que je sais ? La première chose, c'est que, quel que soit Y appartenant à cet ensemble, peut-être je lui donne un nom, bon, je ne sais pas, si j'ai un Y là-dedans, j'ai le degré du corps de définition d'un tel Y est uniformément borné par une constante D d'un D de G. Hein, donc quand on relève les points CM dans l'espace de Ziegel, par exemple, on a cette propriété. Là, G, c'est le genre. C'est un truc fixé une fois pour toutes, qui ne bougera pas. Voilà. Ensuite, on a vu que la hauteur d'un tel Y est bornée par une constante fois dx puissance alpha. Donc ça, c'était le théorème 3.8. Et on vient de voir que le cardinal de cet ensemble, j'aurais dû lui donner un nom vraiment, alors, donc, comme c'est un ensemble fondamental, tous les points, enfin, j'ai au moins autant de points en haut qu'en bas. Et en bas, j'ai vu que j'en avais une puissance positive du discriminant. Voilà. Alors, je suis. Donc, ça, c'est le théorème 4.1. Donc je suis tout à fait dans la situation du théorème de Pillay-Wilkie. Donc d'après le théorème de Pillay-Wilkie, donc j'ai beaucoup de points d'un ensemble définissable qui sont de hauteur pas trop grande, ça ne peut être expliqué que par la présence d'un semi-algébrique à l'intérieur de mon ensemble. Donc, si dx est assez grand, il existe un semi-algébrique je vais l'appeler Y pour l'instant,
de dimension positive. Qui contient un y dans pi moins 1 de dans cet ensemble VF, et donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre Z, un algébrique alors, Y, il est dans VF tilde pour l'instant. Oui. Donc, un système algébrique connexe, comme on a dit. Irréductible, oui. Donc, là, je le prends. Oui. Donc, soit Z, un algébrique irréductible maximal, maintenant. De pi moins 1 de V. Contenant Y. Donc, j'ai construit sur un petit bout quelque chose algébrique, mais sur juste cet ensemble pi moins 1 de V restreint à F. Puis après, je prends un algébrique maximal dans pi moins 1 de V, je sais qu'il va être de dimension positive, parce qu'il contient quelque chose de dimension positive localement. Et voilà. Alors, à ce moment-là, j'utilise le théorème d'Axe-Lindemann. Donc, par le théorème d'Axe-Lindemann, hyperbolique. Pi de Z, qui est inclus dans V, est... Alors, je vais dire faiblement spécial, mais je vais enlever le faiblement tout de suite. Parce que on a vu que quelque chose qui est faiblement spécial, mais qui contient un point spécial, c'est spécial. Donc, pi de z, c'est une sous-variété spéciale de v. Voilà. Bon, maintenant, ça ne contient pas tout à fait le point de départ, mais si y appartient à pi moins 1 d'un certain x sigma. Bon, on peut voir que x appartient peut-être à z sigma moins 1, qui est inclus dans V, et spécial. Donc, j'ai réussi à mettre mon x, donc celui-là, je vais l'appeler zx, à mettre mon x dans une sous-variété spéciale de dimension positive qui est contenue dans V. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai mis ensemble toutes les choses. Donc, on voit la place à la fois de Pilawilki et d'Axe-Lindemann. Dans ta stratégie, le théorème 4a, tu le supposes? Ah, pour l'instant, oui. Ça sera l'objet du dernier cours. Mais, et j'ai aussi admis Axe-Lindemann. Je donnerai, j'espère avoir le temps de donner des indications. Hein, j'avance. Mais OK. Alors, l'étape 2
dont la stratégie c'est, j'ai appelé ça théorème 4.3. Alors, c'est, je l'écris de manière générale, c'est-à-dire, je ne suis plus trop dans AG spécialement, mais ce n'est pas très important. Soit GX, une donnée de Shimura. Donc, j'ai associé un SHK, GX, puis un S, comme dans tout le cours. Soit V, une sous-variété de S. Donc, une sous-variété odd générique, hein. Donc ça veut dire que la plus petite sous-variété spéciale qui contient V, c'est S. Alors, je vais faire une hypothèse qui, de façon obligatoire pour la conclusion de mon théorème, et qui n'est pas, enfin, va pas être un problème dans la stratégie. Alors, si S égale S1 croix S2 est un produit de variété de Shimura de dimension positive. On suppose que V n'est pas de la forme V, alors, bon, une permutation de ça, V égale S1 croix V prime, avec V prime dans S2. Alors, voilà, conclusion. Alors, l'ensemble des sous-variétés faiblement spéciales de V n'est pas un risque dense. Non, V. Alors, si vous êtes sous cette forme, alors, excusez-moi, j'ai envie de dire l'ensemble des sous-variétés faiblement spéciales, deux dimensions positives. Si vous êtes sous cette forme, S1 croit n'importe quel point de V' est faiblement spécial, et donc V est recouvert par les S1 croit des points de V', et l'ensemble des sous-variétés faiblement spéciales est dense, quoi. Donc, vous ne pouvez pas éviter de rencontrer ça. Vous voyez que si vous êtes dans une situation comme ça, ce n'est pas très grave parce que la conjecture pour V, ou essentiellement pour V' est la même. Donc, on ne perd pas beaucoup ici. Alors, en deux mots, je vais essayer de dire pourquoi ces deux énoncés suffisent. Et après, j'essaye d'expliquer un peu en détail comment on montre le théorème 4.3. Alors, donc, comment on combine les deux choses?
épreuve de AO en admettant 4-2 et 4-3, enfin tout ce qu'on a fait avant, soit V dans AG, S, la plus petite sous-variété spéciale contenant V, si S égale S1 croix S2 et V égale S1 croix V'. Bon, alors, AO pour V est équivalent à AO. Alors, je vais dire pour P croix V', quel que soit le point P spécial dans S. Donc, en faisant ça éventuellement un certain nombre de fois, vous pouvez supposer que on se ramène au cas où V où les hypothèses 2, 4, 3 sont vérifiées. Bon, et puis donc les sous-variétés faiblement spéciales, donc même en particulier les sous-variétés spéciales de dimension maximale ne sont pas un risque dense. Et puis, il n'y a qu'un nombre fini de points qui ne sont pas dans des sous-variétés. Donc, donc, ça implique que les points spéciaux de V ne sont pas Zaïs qui danse dans V. Bon, ce qui est essentiellement ce qu'on veut prouver, même si on peut le réécrire autrement. Voilà. Donc, bon, donc maintenant il faut expliquer cet énoncé. Et alors. Donc, je vais donner assez de détails, mais donc, une idée assez cruciale qui est derrière tout ça, c'est que les variétés de Shimura, c'est des objets rigides. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de famille de variétés de Shimura qui sont non constantes. Hein, c'est-à-dire, mais... malheureusement, ce qu'on peut toujours faire, c'est quand on a une situation de produit, on peut faire S1 croix un point et faire varier le point. Alors évidemment, le S1, enfin, c'est toujours les mêmes variétés de Shimura, isomorphisme près, mais on fabrique des familles. Alors, pourquoi vous avez dit pi en dehors pour p fois v' et pas pour v'? Parce que V' n'est pas vraiment une sous-variété de AG, c'est ça qui m'embête. Et donc, enfin, j'ai... Mais il faut aussi avoir P, un point spécial. Spécial dans S1. Oui, dans S1. Oui, alors, dans S1, d'accord. Merci. Non, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Bon, donc je dis que... Donc, il peut y avoir, malgré tout, on peut fabriquer des familles,
mais elles sont constantes dans le sens que c'est à l'intérieur d'un produit comme ça, et on bouge un paramètre dans le deuxième. Alors, ce qui semble prévu par la conjecture, c'est que si on prend des choses de dimension, enfin des sous-variétés spéciales de dimension maximale, ben, il est impossible de bouger. Voilà. Donc, la stratégie qu'on va essayer de mettre en place, c'est de voir qu'effectivement, on ne peut pas du tout bouger si on prend des variétés spéciales de dimension maximale à l'intérieur de V. Alors, j'ai besoin d'un lemme qui est pas très profond, mais qui dit comment on décrit les variétés faiblement spéciales. Alors, donc voilà l'énoncé dont je vais avoir besoin. Donc 1, soit Z une variété faiblement spéciale de ma variété de Shimura. Alors je dis que bon, il existe un Q groupe, un Q sous-groupe algébrique semi-simple de GQ et un Z. Alors, dans le domaine fondamental, enfin disons dans l'ensemble fondamental que je me suis fixé depuis un certain temps, qui a des bonnes propriétés, telles que Z, c'est simplement l'image de l'orbite sous les points réels de F, plus fois Z. Alors, c'est... voilà. Donc... Et donc, ce qui est important ici, en fait, c'est que pour fabriquer une sous-variété faiblement spéciale, vous êtes obligé de partir d'un groupe sur Q. Et ça, il n'y en a qu'un nombre dénombrable. Donc, ça va être au cœur de l'argument. Et puis, vous avez une condition bon, que je vais prendre à l'envers. Donc, réciproquement, donc, soit FR, un groupe semi-simple un sous-groupe semi-simple de GR, et soit Z appartenant à cet ensemble fondamental, et on suppose que on suppose que grand Z égale pi de F est faiblement spécial. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? En fait, essentiellement, ça dit essentiellement deux choses. Ça dit une condition. Donc, alors, donc ça dit une condition sur la position de Z par rapport à F, qui est essentiellement que un point de l'ensemble X+, c'est l'ensemble des sous-groupes compacts maximaux de G2R. Donc,
La condition, c'est que quand j'intersecte le compact maximal associé à Z avec F, je trouve un compact maximal de F. Et donc, en fait, cet ensemble F de R plus point Z est un espace riemannien et même un espace symétrique hermitien. Donc, en fait, si j'appelle KZ le compact maximal associé à Z, je l'intersecte avec F de R+, c'est un sous-groupe compact maximal de F de R+. Et si je prends le quotient, c'est-à-dire F de R+, quotienté par KZ inter F de R+, bah, il faut que ça soit de type hermitien. Donc, dire que c'est un sous-groupe compact maximal, c'est dire que c'est un espace symétrique, c'est un espace symétrique de F, et dire que c'est hermitien, c'est dire qu'on a une structure hermitienne dessus. La deuxième ligne, tu aurais dû mettre F, tu n'as pas donné le nom au groupe. Deuxième ligne en haut. Deuxième ligne. Rappelle-moi plus, c'est la composante connexe au sens. Alors, topologique. Et 0 au sens algébrique. Donc on est sous l'hypothèse de théorème 4.3. Pour l'instant, on est sous l'hypothèse de 4.3, mais ça, c'est général. Hein. C'est l'hypothèse spéciale. Sans l'hypothèse spéciale. Non, oui, oui. Là, je dis juste que c'est qu'une variété faiblement spéciale. Il n'y a pas de. C'est un fait. Là, c'est des faits généraux. Je n'ai pas d'hypothèse sous le produit. Sur les produits, on suppose que c'est exactement le produit ou à exogéné près. Bon, il faut faire un peu attention, mais pour l'instant, je veux dire, c'est le produit. Non, mais il faut faire attention, je suis d'accord. Mais bon, vous verrez ce qui apparaît dans la preuve. Oui, alors j'ai le. Oui, non, je ne devrais pas effacer ici, je devrais effacer au centre. Je vais passer au milieu plutôt. Alors, le deuxième point dont j'aurais besoin, qu'il faut avoir en tête, c'est que, bon, soit FR non compact, le produit presque direct des facteurs non compacts de FR. Donc FR, vous pouvez le décomposer essentiellement en termes de produits de facteurs simples, et certains de ces facteurs sont compacts, les autres sont non compacts. Donc je ne garde que les non compacts, parce que c'est pas un produit direct. Il y a un petit noyau quand on fait le produit, fini. Bon, il n'y a pas de différence. Il suffit de prendre cela, essentiellement parce que la partie compacte de F va être justement dans le compact maximal défini par Z. Donc ça n'a, en fait, il faut garder que les facteurs non compacts. Et puis, ensuite, si vous avez...
Alors, soit f'q, donc j'aime bien dire le Mumford Tate de FRNC, le plus petit Q sous-groupe de GQ, tel que F primaire, donc F prime Q tenseur R, contient FRNC, eh bien, alors, donc F prime Q est semi-simple. F prime Q tenseur R NC coïncide avec FRNC et Z donc c'est si vous voulez F prime de donc je reconstruis juste à partir de la partie non compacte, le sous-groupe sur Q, tel que qui décrit ma variété faiblement spéciale. Voilà. OK. Alors, donc, bon, donc je vais faire une analyse de comment on pourrait éventuellement imaginer que y a des variations, enfin, il y a des familles de variétés spéciales qui bouge dans S. Alors, je vais. Voilà la stratégie. Soit HR, un sous-groupe semi-simple, de GR, et je définis un ensemble. Alors, ça va être un ensemble de couples, TZ, où T varie dans G de R, et Z varie dans mon ensemble fondamental préféré, et avec la propriété que si je conjugue mon groupe H, et que j'applique ça à Z, je reste, et je prends l'image par pi, je reste à l'intérieur de V. Donc, disons, je me permets des conjugaisons sur H, et je me permets de bouger Z dans un domaine fondamental, mais je retiens la condition que ça doit rester à l'intérieur de V. D'accord ? Alors, en fait, dit comme ça, ça n'a pas l'air définissable, mais c'est la même chose que l'ensemble des alors c'est la même chose parce que si vous avez donc si vous avez le petit bout de l'ensemble THDR plus T-1Z intersecté avec F qui a la propriété que son image est dans V, par analyticité, l'image de tout cet ensemble restera toujours dans V. Hein, donc ça veut dire, on a un ensemble qu'on restreint à F qui est contenu dans pi-1 de V. Eh ben, comme il est analytique, dans un truc analytique plus gros. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a écrit comme ça, donc par analyticité, et la déduction, c'est que alors, BH, et
Pourquoi vous écrivez pi restreint f? On sait que ça c'est dans f. Oui. Pourquoi je l'écris comme ça? Je dis que ces deux ensembles sont les mêmes. C'est ça qui est pas. Donc, but why you write? On sait que pi f est. Parce que je sais que pi restreint à f est définissable, alors que pi n'est pas définissable. Non, mais thr plus t inverse z. Il s'en tourne. Il write it in f. S'en tourne f. On a eu que ça. S'en tourne pas. Non, mais si le z est dans f, donc ça contient, ça rencontre f. Ça intersecte f qui est un ouvert et en dimension positive. Il y a une intersection parce que le z est dans f. Donc il faut intersecter ça avec f. Sinon, oui. Donc, bh est définissable dans r an exp. Encore une fois, c'est le théorème 3.7 qu'on réutilise. Et, bon. Donc, sigma R de V, l'ensemble des sous-variétés spéciales, alors faiblement, excusez-moi, faiblement spécial. De dimension réelle, alors R contenu dans V. Et donc, bon, j'appelle l'ensemble de ces sous-variétés, donc la réunion pour D positif. De sigma D de V. Et ce qui va m'intéresser, en fait, je vais travailler avec les variétés faiblement spéciales de dimension maximale. Et c'est celle-là pour laquelle j'ai un espoir qu'elles ne peuvent pas bouger. On ne peut pas les déformer. Et c'est ça que je vais essayer de démontrer. Donc, tu écris R de V, R, c'est la dimension, mais tu l'appelles aussi D, c'est la même chose. Alors, je préférerais mettre D là, parce que D, je vais utiliser D justement comme le maximal. Oui, oui. Jusqu'ici, ça irait, mais je vais appeler tout de suite. Il n'y a pas de D. Non, mais ça va venir tout de suite, donc soit D, le maximum. Des dimensions réelles. Des sous-variétés spéciales, des sous-variétés faiblement spéciales. Ouais, c'est deux fois la dimension complexe, on est d'accord. Oui, mais... quand h est semi-simple, j'ai aucune raison de penser que h.z a une structure complexe, donc ça a une dimension réelle. Ça a toujours une dimension réelle, mais ça, bon. Pour les sous-variétés qui m'intéressent, ça a une dimension complexe. Mais bon, donc c'est pour ça que je reste avec la dimension réelle. Donc soit d, le maximum des dimensions réelles, des sous-variétés faiblement spéciales, dans V. Donc si vous voulez, c'est... le plus grand R tel que sigma R de V non vide. Voilà. Et bon, alors j'applique. Donc je dis pour l'instant que d'après le lemme 4.1, il y a un groupe semi-simple
Et je peux supposer qu'il n'y a que des facteurs non compacts. Et il y a aussi un Z0 dans F, tel que pi de F de R plus point Z0, c'est inclus dans V et est faiblement spécial. Deux dimensions. D. Donc, je sais qu'il y a un tel sous-groupe semi-simple, et je vais travailler avec lui. Et donc, je vais m'intéresser à des propriétés de l'ensemble BF que j'ai décrit là-haut. Alors, le lemme clé, c'est que si vous avez pour ce F particulier, qui correspond à des sous-variétés spéciales, faiblement spéciales de dimension maximale, si vous avez un couple comme ça, alors vous prenez l'image de la variété T F de R plus T moins 1 point Z. Donc, dans la définition, c'est inclus dans V, mais ça, c'est faiblement spécial. Alors, pour bien commenter, vous voyez que pour que quelque chose soit faiblement spécial, il faut que ça provienne de quelque chose sur Q. Là, vous êtes en train de dire, je me permets des conjugaisons dans G de R, mais néanmoins, bon, donc ça veut dire que ces conjugaisons ne vont pas faire grand-chose. C'est de ça qu'on va profiter après. Voilà. Donc, c'est ici qu'il se passe, il se passe un petit quelque chose. Alors, d'où ça vient? Alors, ça implique. Le lemme 4.1, c'était celui qui expliquait comment. C'est celui-là. En plus, je ne sais pas pourquoi il s'appelle 4.1, parce qu'il y avait un théorème 4.1. Enfin bon, ok. Excusez-moi. Oui, c'est celui-là. Voilà. Ok. Donc. C'est quoi le BH? Alors, j'ai un BH là, pour tout H semi-simple, et je l'applique pour ce F qui me permet de construire quelque chose de faiblement spécial de dimension maximale. Et c'est pour cela que je contrôle qu'on ne peut pas bouger. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que je sais? Bon, T, F de R plus, T moins 1, point Z. Donc ça, c'est l'orbite d'un groupe algébrique par cette action semi-algébrique. Et ça, c'est un ensemble. Donc c'est un ensemble. Semi-algébrique. Et par hypothèse, tel que pi de t f de r plus t moins 1 point z est contenu dans v, donc qui est dans pi moins 1 de v. Voilà. Semi-algébrique parce que tu t'y resteras à la composante connexe, c'est ça? Parce que je vis dans un ensemble, l'espace ambiant est semi-algébrique, c'est juste l'espace de Ziegle ou des choses comme ça. C'est juste. Voilà. Alors, la première remarque, c'est que la dimension
de t f de r plus t moins 1 point z, ben, c'est au moins la dimension de f de r plus point z 0. Et je dis avec égalité, si et seulement si, KZ intersecté avec T F de R T enfin F de R plus T moins 1 est un compact maximal de enfin si vous voulez si T. Hein, donc, de toute façon, cet ensemble, c'est T F de R plus T moins 1 divisé par ce compact maximal intersecté avec ça. Et si vous ne tombez pas sur un compact maximal, bah, vous grandissez en dimension. OK. Alors, maintenant, je vais prendre soit Y, un sous-ensemble algébrique maximal, disons irréductible, de pi moins 1 de V, contenant T f de r plus t moins 1 point z. Voilà. Alors, vous utilisez axe Lindemann par axe Lindemann hyperbolique. Vous savez que pi de y est faiblement spécial. Voilà. Alors, donc quelle est la situation? Bon, la dimension de y pour quelque chose qui est faiblement spécial, c'est la dimension de pi de y. Et ça, on sait que c'est plus petit que la dimension de f de r plus point z0, parce que cette dimension, c'est le d. Et c'est la plus grande dimension qu'on a acceptée pour des variétés faiblement spéciales. D'accord ? Alors, on a vu que ça, c'était plus petit que la dimension de T, F de R+, T moins 1 point Z. Alors, est-ce que Y, c'est algébrique complexe, oui ? En fait, Y, c'est, on montre qu'en fait, Y, il sera semi-algébrique et aussi analytique complexe. C'est dans les choses qu'on a déjà... les maximaux sont comme ça. Donc, on prend d'abord algébrique sur R ou... On montre qu'un semi-algébrique réel se plonge dans un algébrique comme ça, c'est-à-dire qui est... Bon, il y a... Oui. Alors, celui-là, cette dimension, c'est plus petit que la dimension de Y, parce que T, F de R plus T moins 1 point Z est contenu dans Y. Donc, vous avez égalité partout, et ça vous dit que ici vous avez égalité de dimension, et donc, pi de Y
ça va être votre pi de t f de r plus t moins 1 point z. Et ça, c'est faiblement spécial. Voilà. Donc là, c'est le... OK. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Alors, il y a un lemme important après. Alors, lemme 4.3. Donc je vais regarder un ensemble qui dépend de V et toujours de ce groupe F qu'on a défini. Et c'est juste l'ensemble des T F de R plus T moins 1 pour T appartenant à G de R et tel qu'il existe un Z dans cet ensemble fondamental avec donc finalement tel que le couple TZ soit dans l'ensemble BF, mais j'écris pi de T F de R plus T moins 1 point Z inclus dans V. Donc finalement je ne retiens que les sous-groupes qui peuvent intervenir ici et plus le Z. Je ne fais pas varier le Z dans le domaine fondamental. Et donc j'ai fait une phrase, donc l'ensemble CV1 est fini. Voilà. Alors, donc preuve. Donc vous prenez la projection de cet ensemble de BF vers G de R plus dans le normalisateur dans G de R plus F de R plus, qui a un couple TZ associe T fois ce normalisateur alors je dis que alors psi de F, alors psi de BF est en bijection avec C de FV. Hein, donc, pour avoir un élément ici, il faut que je le remonte et il apparaît comme l'image, il n'y a que comme ça que je les obtiens essentiellement. Il faut réfléchir un petit peu, hein, mais voilà. Alors, une fois que je l'ai écrit comme ça, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, donc on a vu que BF était définissable dans R annexe. Et donc par ailleurs,
BF est définissable dans R annexe et psi est algébrique. Et ça, ça implique que psi de BF est définissable dans R annexe. OK. Alors, pourquoi ça limite beaucoup les choses? Bon, par le lemme, par le lemme clé, je sais que si j'ai un élément comme ça, pi de t, f de r plus t moins 1 pour un certain z est faiblement spécial. Donc si j'ai un groupe t, f de r plus t moins 1 qui intervient, il y a un z tel que ça, c'est faiblement spécial. Le point, c'est que ce groupe provient de quelque chose sur Q. Donc, toujours le lemme 4.1 implique, il existe un groupe sur Q tel que bon, F'Q tenseur R, bon peut-être les facteurs non compacts coïncident. Alors, avec ça, parce qu'il n'y a pas de facteur, j'ai supposé qu'il n'y ait pas de facteur compact, enfin que c'était de type non compact. Et donc, le nombre de groupes comme ça est dénombrable. Hein, donc, psi de BF, si vous voulez, est dénombrable. Voilà. Mais c'est un point, voilà, dans les théories au minimal, il n'y a qu'un nombre fini de composantes connexes, si vous voulez, où les définissables de R, c'est que les ensembles finis sont dénombrables dans les structures, dans les ensembles définissables. Donc, il est définissable et dénombrable, donc il est fini. Voilà, donc c'est la conclusion de ça. OK, donc psi de n donc est dénombrable plus définissable. Alors, les nombres de composantes connexes, c'est toujours fini. Voilà, là, c'est un ensemble fini. c'est des points, bon. Non, dénombrable pour être connexe, et non. Je ne sais pas quel topologie générale de l'ensemble. Bon. En tout cas, là, c'est pour des ensembles définissables, ça s'implique fini. Oui, il y a beaucoup de. Bon, il n'y a pas grand chose. Là, je n'utilise pas grand chose. Mais... Alors, on peut projeter sur des coordonnées. Oui, voir oui, c'est OK. OK, donc voilà. Alors, on a pas mal avancé. Et ce qu'on veut quand même en déduire, donc lemme 4.4, sous les hypothèses du théorème 4.2, donc en fait, l'ensemble, alors je vais l'écrire. Hein. Alors du théorème 4.3, je pense plutôt, excusez-moi.
l'ensemble sigma d de V n'est pas un esquidense. OK. Alors, donc, le premier point, c'est que il n'existe à G de R conjugaison près alors qu'un nombre fini. Deux groupes, deux sous-groupes semi-simples. De GR. Bon, il y a un argument, hein, mais qui n'est pas très compliqué. Sur C, ça serait juste le diagramme de Dynkin et de la conjugaison dans GN. Bon, il faut faire un peu plus, mais c'est, disons, classique. Et ce qu'on vient de voir, c'est que si je fixe un groupe semi-simple, disons, de type non compact, qui va intervenir dans la définition des sous-variétés faiblement spéciales qui sont dans V, dans sa classe de G de R conjugaison, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments. Donc la conclusion, c'est, disons, le lemme 4.3 implique que il n'y a qu'un nombre fini de choix pour un groupe semi-simple disons sans facteur compact si vous voulez tel que il existe un Z0 dans F avec pi voilà. Alors ça c'est le lemme 4.3. Maintenant, alors oui, je vais effacer. Ici. Donc, je vais fixer d'abord un tel sous-groupe réel. Et si FR est fixé, il existe, donc on l'a vu, un F'Q dans GQ, tel que si j'étends à R et je prends la partie non compacte, je trouve FR. Et donc, il n'y a qu'un nombre fini de choix pour ce F'Q. Voilà. Alors, on fixe un tel choix, soit F'Q, un tel choix. Alors, il y a deux cas.
différents. Alors, le premier cas, c'est si F'Q est un facteur de GQ. Si F'Q est un sous-groupe normal de GQ, alors on va avoir une décomposition GQ un produit presque direct et pareil S ça va être le aussi un produit et presque voilà. Bon, enfin, on va voir ce que je dis. Oui. Donc, les sous-variétés faiblement spéciales de la forme pi de f de r plus point z avec z dans f, ben en fait sont de la forme alors en fait s et s1 s2 et vous avez gx qui est f'1 x f'1 F'2. Ouais, excusez-moi. Et en fait, donc c'est simplement ceux qui sont de la forme l'image de X F' par un élément de X F'2. Donc bon, en fait, sont de la forme S1 croix X2 avec X2 dans S2. Alors, je regarde soit V' l'adhérence de Zariski des X2 qui interviennent comme ça. Tel que S1 croix X2 est inclus dans V, eh bien, par hypothèse, cet ensemble n'est pas un Zariski dense. Donc l'adhérence des sous-variétés faiblement spécial, ainsi construite, est S1 croix V', qui est différent de V par notre hypothèse. Voilà. Donc, comme V n'est pas de cette forme-là, l'ensemble des variétés faiblement spéciales de ce type ne peut pas être dense. Le cas numéro 2, c'est si F'Q... Donc il faut avoir le presque produit de théorème 4. Il faut prendre les images des X1 plus croix quelque chose dans la variété. On remonte en haut et on prend les images en bas, quoi. Ce qui apparaît dans le théorème de Moonen. Mais ça se passe essentiellement comme un produit. Par exemple, dans les F'Q,
Oui. Est-ce que tu te limites aux groupes qui n'ont pas de facteur, qui n'ont pas de définition plus. Autrement, il y a une liberté. Oui, sinon, il y a une liberté, oui. Oui, oui. Donc, en tout cas, il y a un autisme de S1 fois S2, pour certains S2 sur S, avec un autisme. Oui. Bon, ça c'est vrai, mais ce qu'il vaut mieux faire, c'est toujours définir les objets comme des images par l'uniformisation des espaces hermitiens x1 plus croix 1 point. Non, mais si on veut énoncer en condition sur un groupe de S, quand on passe à S1 fois S2, qui est souvent avec un morphisme fini, il y a plusieurs façons de remonter dans un truc irréductible. Donc, il faut. Oui. Dans la condition peut-être n'est pas la même. Donc, il faut voir. On a des termes de finitude sur la longue composante avec ça, on va gêner. Bon, voilà. Je reconnais qu'il faut mieux faire un peu attention, mais voilà, il y a assez de soucis comme ça, ici. Voilà. Donc, K2, si F'Q n'est pas un facteur de GQ, je ne sais pas si ce n'est pas une proposition, c'est aussi un lemme si vous voulez. Je dis que l'ensemble des sous-variétés faiblement spéciales maintenant de S, disons de la forme pi de f de r plus moins z avec z appartenant à f, est contenu dans une union finie, union de i égale 1 à r de zi, avec ZI, sous variété spéciale, avec les ZI différents de S. Donc, en fait, là, on a, d'une certaine manière, on peut presque oublier le V. Attends, c'est dans le deuxième cas toujours, c'est ça? Oui, dans le deuxième cas, si ce n'est pas un facteur, en fait, les sous-variétés qu'on fabrique ne sont même pas Zariski denses dans S. Et alors pourquoi ça suffit? Comme V est odd générique, donc, hein, la conclusion hein, quand même, conclusion. Comme V est odd générique, V intersecté avec cette union finie n'est pas un Zariski dense dans V. Parce que V n'est contenu dans aucun des ZI, donc il n'est pas contenu dans la réunion qui est finie. Voilà. Bon, alors maintenant, d'où ça vient cette proposition? En fait, c'est relativement. C'est assez simple, mais. Donc, de la proposition. Donc, ce que vous montrez, c'est que si vous avez
soit f'q comme précédemment, et z dans f tel que pi de f' de r plus point z est faiblement spécial. Oui, est faiblement spécial. Alors, ce que vous dites, ce que vous montrez, c'est que le z, c'est un morphisme de S dans GR. Et ce qu'on vérifie, c'est qu'il y a une factorisation par un sous-groupe fixe qui est f'q fois le centralisateur dans G de f'q. Bon, et puis, puisqu'on m'a fait la réflexion, ça passe aussi par la partie sur Q qui ne devient pas compacte sur R. Donc je passe cette subtilité-là. Mais et on se rend compte que si on fait, si on appelle x θq θq de R, classe de conjugaison de Z. Donc alors θq x θq x θ et une sous-donnée de Shimura. Alors vraiment strict de Gx. Et j'utilise vraiment que f n'est pas normal, donc ce centralisateur, ce n'est pas tout. Hein, donc c'est vraiment une inclusion stricte ici. Et donc en fait, les sous-variétés faiblement spéciales que vous allez fabriquer, elles sont toutes contenues dans les sous-variétés spéciales maintenant associées à ça. D'accord ? Bon, alors, il y a une dernière subtilité, c'est que vous pouvez faire varier Z. Alors, le groupe θq est fixe, mais l'espace symétrique pourrait, lui, prendre différentes valeurs. Mais on montre que quand on a un groupe fixé, le choix pour les x sont en fait en nombre fini. Il y a un petit énoncé encore. Quand on a un sous-groupe de gx, on fixe un sous-groupe, le choix pour les classes de conjugaison telles que θq, x, θq est une sous-donnée de Shimura et aussi en nombre fini. Donc il y a quelques étapes, mais voilà. Alors, j'ai donné pas mal de détails là-dessus. Alors, je dis en deux mots comment on finit la preuve du théorème 4.3. C'est essentiellement un argument de récurrence. Donc là, on a prouvé que en dimension maximale, il n'y a qu'un nombre fini de sous-variétés faiblement spéciales maximales. Donc fin de la preuve. Alors, par récurrence sur D, donc c'est essentiellement par récurrence sur D. Soit D1 inférieur à D, le maximum des dimensions des sous-variétés spéciales. Qui sont, alors comment il faut dire, qui ne sont pas contenus
dans sigma d de v. Donc des sous-variétés spéciales de, pardon, faiblement spéciales. Donc j'enlève le lieu où il y a des sous-variétés éventuellement de dimension d. À l'intérieur, il peut y avoir plein de sous-variétés, et puis ça peut bouger beaucoup. Mais si je regarde le lieu maintenant de la dimension 1 de moins et en dehors, les mêmes arguments passent exactement de la même manière. Et on montre que cet ensemble-là, lui-même, n'est pas à risque dense. Et puis, on passe après. Il y a tout à fait des risques cloches avec E, D, B. Which one? This? This one is the union of... Yes, but we just proved that it's finite. Bon, okay, but we are fine. Okay, bon, okay. On pourrait mettre là, ça me gênerait pas. Mais on sait que c'est pas tout. Bon, okay. Donc après, vous passez à la dimension immédiatement inférieure, mais en dehors de, du lieu de dimension maximale, et vous descendez dimension par dimension. Voilà. Voilà. Donc en fait, la situation, c'est qu'il y a deux énoncés à démontrer, c'est Axe-Lindemann, enfin, il y en a même un peu plus, mais il y a au moins Axe-Lindemann et les bornes inférieures pour Galois. Donc mon intention était de donner des indications, déjà sur Axe-Lindemann un petit peu. Peut-être, je sais pas, on ne fait pas de pause aujourd'hui, ça vous va? On continue, parce que là, si on s'arrête, là, ça va être un peu... voilà. Bon. Donc, je passe au théorème d'Axe-Lindemann hyperbolique. Et... Donc, principe de la preuve, donc de Axe-Lindemann hyperbolique. Alors, j'avais donné deux énoncés, mais je vais travailler avec celui-là. Donc, j'ai un x plus. Ici, j'ai un V. Je regarde son image inverse. Et à l'intérieur, j'ai un A qui est algébrique, irréductible, maximal. Ouais, c'est bien, x plus, je sais pas, enfin bon, x, je sais pas comme c'est... bon, enfin, c'est pas très important ici, parce que là, c'est un modèle, donc bon, je sais pas, c'est pas important. Donc, le théorème qu'on veut démontrer, hein, je l'ai déjà dit, c'est que pi de A est faiblement spécial. Donc c'est ça, Axe-Lindemann. Voilà. Alors, le... Bon, il y a une étape clé qui est de montrer la proposition suivante. V est algébrique. V est algébrique au départ. Hein. Oui. Tu le remontes et tu prends V algébrique dans S. Je remonte. C'est a priori pas du tout algébrique, mais je prends quelque chose d'algébrique maximal dedans. Voilà. Alors, le
Disons, un but qu'on essaye vraiment de se fixer, c'est de montrer qu'il existe un Q sous-groupe algébrique connexe, disons, alors que j'appelle HA, sous-groupe de GQ, de dimension strictement positive, tel que si je regarde les points réels, je suis contenu dans le stabilisateur de cet ensemble A. Hein, vous voyez les variétés faiblement spéciales, quand vous les remontez en haut, ils ont un gros stabilisateur qui provient d'un groupe sur Q. Et donc, il y a un moment, il faut réaliser quelque chose comme ça. Et un point qui arrive assez vite, c'est que c'est essentiellement suffisant, dans le sens que... disons cette proposition. Donc je vais montrer que ça implique Axiom de Mann. Et pour avoir un ordre de grandeur, là je vais essentiellement utiliser un énoncé de monodromie. Donc c'est du même nature que la caractérisation des sous-variétés spéciales. C'est du même niveau à peu près pour cette implication. Alors. comment on fait ça? Je vais prendre soit HA peut-être le plus grand Q sous-groupe algébrique. Connexe tel que HA de R+ est inclus dans ce stabilisateur. Je vais retenir que HA est de dimension positive par ma proposition 5,2, c'est tout ce que je retiens pour l'instant. Et je fais quelques réductions. Alors, avant de commencer, je fais quelques réductions qui vont me simplifier la vie. Alors, 1, en remplaçant V par la clôture de Zariski de pi de A, on peut supposer que pi de A zar, donc que pi de A est Zariski dense dans V. Ensuite, ah non, mais sinon je ne prendrais pas sa clôture de Zariski d'ailleurs. je m'en dispenserais. Non, c'est. A priori, pi de A est totalement dégueulasse. Hein. Donc à la fin, on montre que. Enfin, tout l'essentiel est de montrer que c'est enfermé, etc. Mais bon, pour l'instant. Voilà. OK. Alors, on peut aussi supposer que. Que V est Hodge générique. Donc ça veut dire que la plus petite sous-variété spéciale qui contient V, c'est S. Donc finalement on travaille dans S au lieu de travailler.
on travaille dans ces plus petites sous-variétés spéciales et les énoncés n'en dépendent pas. Et disons, on remarque, et on va l'utiliser, que donc pi de A, alors je vais dire, est encore odd générique, dans le même sens, même si j'aime pas trop l'employer à cet endroit-là, dans le sens que si... donc ça veut juste dire que si pi de A est inclus dans S' et alors avec S' spécial, alors donc ce qu'on remarque, c'est que pi de A est inclus dans S' inter V, mais comme V est odd générique, ça c'est strictement plus petit que V, et donc ça contredit notre hypothèse 1. Voilà. Donc, voilà. Pi de A est aussi odd générique dans cette situation. Voilà. OK. Alors, maintenant, lemme 5.3. Soit V tilde une composante de pi moins 1 de V contenant A. Alors, HA, donc je pense peut-être ça, HA de Q, peut-être plus, stabilise V tilde. Alors, j'ai besoin de soi. Alors, pourquoi? Donc, je prends un H rationnel de HA. Bon, comme H fixe A, eh bien, A est inclus dans V tilde intersecté avec H fois V tilde. Puisque HA est dans H.V tilde, mais HA c'est A. Donc il est dans cette intersection. Soit W tilde, une composante de V tilde intersectée avec H.V tilde. Alors, la remarque, en fait, c'est que on vérifie que pi de W tilde est une composante de V intersecté avec l'opérateur de et que TH appliqué à V. Et donc ça contient pi de A.
et c'est inclus dans V. Et notre hypothèse, c'est que pi de A Zariski, c'est V. Donc en fait, on ne peut pas avoir une égalité stricte ici. Bon, essentiellement, c'est que il y a une composante de V inter THV qui est V elle-même, donc V est une composante de THV. Et THV, c'est quoi ? Alors, c'est l'exponence réelle. C'est l'opérateur de Hecke défini. Exponence plutôt. Quoi ? Plutôt que l'exponence, pas. C'est correspondance. Qu'est-ce que j'ai dit ? Opérateur ? Ouais, j'aime bien. Bon, correspondance, c'est mieux ici. Donc, V est une composante de THV. En fait, ça veut dire que V tilde, c'est H fois V tilde. Et c'est ça. Enfin, je voulais voir que H stabilise V tilde. Voilà. Alors, donc ce qu'on a vu déjà une fois dans ce cours, quand j'ai montré la caractérisation bi-algébrique des faiblement spéciales, c'est que si je pars d'un V qui est odd générique, que je fais cette opération de choisir une composante, le stabilisateur de cette composante, par certains côtés, est gros, c'est-à-dire que son adhérence de Zariski est un sous-groupe normal dans GDR. Donc, je reprends la même preuve, mais je dis que par le théorème de monodromie de Deligny-André, si j'appelle gamma V tilde le stabilisateur dans gamma de ma composante, alors gamma V tilde ZAR est un sous-groupe normal de GDR. Et bon, on a vu aussi que HA de Z, que je définis comme étant HA de Q inter gamma, ça stabilise la composante. OK. Alors, il y a un lemme. Alors, c'est que gamma V tilde normalise HA. HA, c'est... Bon, et après, ça sera un résultat fort parce que la clôture de Zariski de gamma V-tilde va aussi normaliser HA parce que HA est algébrique. Voilà. Alors, preuve. Donc, je me donne un élément dans gamma V-tilde. Et je regarde gamma HA gamma moins 1 fois V tilde. Alors, on a vu que gamma, ça fixe V tilde, HA aussi, et gamma aussi. Donc ça, ça fixe V tilde. Et ça, ça va vous assurer que... si vous définissez A'
Ah oui, comme étant égal, qu'est-ce que j'écris? Bon, quelque chose comme ça. Donc gamma HA gamma moins 1 de R plus point A. Alors, je prends l'orbite de cet élément, enfin je prends ça et je l'applique à A. Comme A est contenu dans V tilde et que ce groupe fixe la composante, ça c'est inclus dans V tilde. D'accord? Alors je dis que A' prime, c'est semi-algébrique réel et contient A. A prime est semi-algébrique réel, contient A, qui est maximal. Donc par l'hypothèse de départ. Et donc ça, ça vous donne que A, c'est en fait gamma H d'R plus gamma moins 1 point A, ou autrement dit que gamma H A gamma moins 1 est inclus dans le stabilisateur. Mais le plus grand sous-groupe dans le stabilisateur qui est défini sur Q, c'était HA. Donc ça veut dire que c'est inclus dans HA. Et donc en fait, c'est égal, quoi. Voilà. Donc le gamma normalise, gamma V tilde normalise HA. Voilà. Alors. Donc là, ça dit beaucoup de choses parce que on a vu ce normalisateur, enfin, HA est un groupe algébrique. Donc s'il est normalisé par quelque chose, il est normalisé par son adhérence de Zariski. Hein? Conséquence. Voilà, donc, conséquence, HA est normalisé par gamma V tilde ZAR, qui est un sous-groupe distingué, qui est un facteur de G d'R. Alors, je dis que typiquement, par exemple, si j'ai Q et Q simple, ça vous dit automatiquement que A, c'est V tilde, c'est S, qui est essentiellement ce qu'on espère. A est en haut, V tilde est en haut, et c'est X plus. Ouais. Et donc pi de A, c'est S. Hein, ce qui est essentiellement, vu les réductions que je fais, c'est essentiellement ce que je souhaite prouver à la fin, quoi. Que, je vais montrer quelque chose est faiblement spécial, je remplace par le plus petit faiblement spécial qu'il contient, à la fin, c'est ce genre de truc que je veux montrer. Et sinon, donc on a GQ à une décomposition G1 croise G2. Et puis, j'ai déjà fait ça tout à l'heure, mais là,
Donc, on passe à l'adjoint et ça va impliquer que pi de A, ça va être l'image de pi de... avec donc GQX, c'est G1 croix G2, enfin pardon, c'est G1 X1 croix G2 X2, et puis P sera un point dans X2+, quelque chose comme ça. Voilà. Donc essentiellement, si... voilà. Donc essentiellement, si vous connaissez la proposition 5.2, vous obtenez Axiom de Mann. Voilà. Donc la prochaine fois, je démontrerai la proposition 5.2 et j'expliquerai d'où viennent les bandes inférieures pour les orbites sous Galois de points spéciaux. Voilà.